Coucou, ouais. Salut mes birds, c'est Parano, on se retrouve pour ce 10ème épisode, déjà 10 épisodes sur Wolfenstein The New Order. Donc on s'était arrêté, mais on devait se casser de la lune tout simplement. Oh, il est un petit peu giclé de la tête lui. On devait se casser de la lune, on avait fait un petit peu bordel. Donc là je suis en mode un petit peu, je me sauve vite. Je sauve ma peau. Je vais recharger mes armes. Ok, c'est cool. Pourquoi je savais qu'il allait avoir. On s'y rapproche, hein. Chemin à faire. Il est où? Je vais pas vous mentir, je pense que là on commence à frôler la fin du jeu. Mais bon, 10 vidéos c'est pas mal du tout déjà. Sachant que les derniers FPS en date qui sont sortis frôler le, le 4h. Le 4h de vidéo. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça plutôt pas mal comme durée de vie, même si bien sûr voilà, ça fait toujours un petit peu chier, on se dit que le jeu est assez court, on va pas se plaindre. Ça fait plaisir quand même de jouer presque 8 heures sur un jeu FPS de nos jours, c'est un petit peu rare. Je parle bien évidemment de Battlefield ou de Call of Duty, même si on sait que le multi est à l'honneur sur ces jeux. Et que sur Wolfenstein, il n'y a pas de multijoueur. Ok, non mais voilà. Oh non, plus en deux, putain. Au cache-cache avec ce chacal. Il n'y a pas une autre issue là pour... Putain. Faut casser moi. Oh. Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davon gekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Dann vermisst! Wer ist denn hier? Transporter 4. Entfernen Sie sich. Transporter 4. J'en ai vu des choses dans mon existence. Des horreurs qui vous retournent l'estomac. Des trucs qui vous marquent à vie. Ok, Capitaine Cobo, je te reçois. Ici ton partenaire Klaus Kreuz dans la voiture en route pour le London Nautica. Débrouille-toi pour atteindre le parking et je te ramènerai chez toi. Terminé. J'ai vu des milliers de combats. Le London Nautica a ouvert le feu. Je crois qu'il te vise. J'ai vu le soleil se coucher sur les 5 continents. J'ai vu la Terre avec la surface de la Lune. Mais tout ce que je veux maintenant,
c'est te revoir. La lumière du jour, l'air frais. Toujours en vie, on dirait. Plus pour longtemps. Et bouge-toi, fais quelque chose. Putain, je l'ai défoncé lui. Il est increvable ce type, je vous jure. J'incarne un mec qui est increvable. Mais c'est pas la peine en fait, il veut pas mourir. Je sais pas s'il va mourir d'ici la fin du jeu, mais c'est chelou quoi, le mec il meurt pas. D'accord, c'est un gros, j'avais pas vu. Désolé, désolé mec, tu sais comment m'occuper de toi. Voilà. Mec, tu fasses comment là? J'essaie de sauver le monde là et je m'en fous. Ça va pas trop mal la statue. Voilà, j'ai fait le plein au moins. En une salle, genre je me suis rempli quoi. Oups. Pas mal le décor. Oups. On va aller doucement. Ok. On va regarder un petit peu les atouts. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Je suis un mytho, hein, ça fait 4 secondes, mais. Excusez-moi pour le petit reniflement. Putain, en fait, la furtivité, j'ai tout fini pratiquement. D'accord. À couvert au pistolet. 49 sur 50. Ah ouais. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, ça veut s'amuser. Oups, j'avais pas vu que c'était toi, désolé mec. J'étais sous-estimé. Quel con. Toujours le bon vieux crochetage de merde qui sert à rien, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais il fallait le mettre.
Sérieux, ils vont me faire sauter là? Ils veulent que je fasse quoi là? Me dis pas que je fais de la merde. Et je pense hein. Ah ouais, je fais de la merde. Je sais pas, je sais pas où il fallait que j'aille. J'ai pas trop bien compris le délire là. En plus, ils me remettent là. Ok, c'est peut-être une trappe. Peut-être faut que je fonde de ce bordel, je sais pas. Oui. Tu me tires dessus, wesh. Attends. Ça m'est arrivé, enfoiré. Je peux le défoncer ce mec ou pas? Faut que je défonce. Mal fait quoi. C'était super mal fait ça, c'était un truc de malade. Et en fait je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille en plus, non? T'es pas sérieux gros? Vous voyez les trucs comme ça, ils s'agrippent pas, c'est pas normal. Vous pensez que c'est normal ça dans un jeu que genre de nos jours? Ma foi. C'est pas normal du tout. Qu'est-ce que tu fais style toi? Ouais mais c'était 800 là en fait. Moi j'ai pas calculé ça. Je croyais que c'était le même qui se cachait depuis tout à l'heure. En fait non, ils étaient 4 ou 5 quoi. Faut descendre un peu plus non? On dirait. C'est un putain de bordel son truc là. Ah t'es sérieux gros putain, c'est quoi ce délire frère? En mode fail encore ou quoi? Pas passer par des endroits comme ça Sérieux gros, j'ai fail comme ça. Ah j'avais pas halluciné, j'avais entendu un mec là. Sauf que là maintenant tu t'es mis trop près quoi. J'arrive pas à voir son réacteur derrière. Putain! C'est vrai là les chevrotines qui rebondissent! Il a rigolé ce connard là! Bon, ok. Voilà, comme ça
enfin fait plus chier ce con. Vous voulez qu'on s'énerve? On va s'énerver maintenant. Putain de merde. Oh, c'est mignon. Ok. Évidemment. Attention, faut que tu te plantes. Non, c'est pas vrai. J'ai vu un truc là, j'ai vu un trophée. Ouais, d'accord, allez, abrège la souffrance là. T'es un robot chelou, mais il casse la tête quoi. Bah, je vous jure, il m'a pris la tête à l'heure. De malade, alors qu'il suffit de tirer comme ça, comme SGEG là. Allez, vas-y, terminons la chose là. Tu m'en pas fou. Bon. Allez, vas-y. Dernier en chez moi. Fais-moi mal. Putain, c'est quoi la phase là qu'il va faire? Qui m'écrase quoi. Sans se faire écraser, sans se faire brûler, sans se faire piétiner, sans se...
C'est un truc de fou ce combat là. Il est où son œil? On va se cracher où le con là? Allez, en route. On doit partir d'ici en vitesse. On est dans une putain de merde jusqu'au cou du cowboy. J'espère qu'on arrivera à temps au sujet. Berlin. J'écoute, Berlin. Faites-moi un rapport. C'est mal barré, capitaine. On tient le coup, mais ça va pas durer. Les hommes du boucher sont partout. C'est votre vieil ami Frau Engel qui mène l'attaque. Le boucher doit l'avoir promu pour sa méticulosité dans le camp. Caroline et moi, on se cache dans le hangar des hélicos. On est coincés, complètement encerclés. C'est le chaos. J'ai perdu les autres. Je ne sais même pas s'ils sont vivants. Ils finiront par nous trouver. Tôt ou tard. Désolé, Anya. J'aurais aimé que tu vois mes quitter à l'aube. Je voulais t'y emmener. Désolé si j'ai parlé pas trop en fait. Moi je croyais que c'était genre j'étais en normal en train de regarder un film quoi. Et en fait j'étais en train de manger quoi. J'étais en train de manger tranquillou milou. Je comprends pas trop où il faut aller là. D'accord, Max ouvre la voie. Donc désolé hein. J'essaie de couper. Oh non, mais t'es sérieux? Capitaine, c'est vous? C'est sur vous qu'il tire? Je dois vous dire un truc. C'est Frau Engel. Elle a pris Anya, elle a pris Seth et Bombeit. Et ils sont tous en route pour la base du boucher. Caroline, arrêtez le boucan! J'essaie de faire fonctionner cette saloperie! Ouais, bah soyez discrète, ok? Bon, capitaine. Il nous reste un hélico parqué dans le hangar. Il pourra piquer rapidement. On va pouvoir le récupérer et aller chercher les autres. Mais faites vite, le temps presse. C'est fou là, ça va être carnage, mec. Je cherche même pas à faire de la planque ou quoi. Oh putain de fils. Je sais où il est.
Depuis le début, il était prévu là-bas. Ils ont tué tout le monde et tout, ces putains de nazis de merde. Oh putain. Tire la chasse, Moré. Ah. Oh putain. Faudrait que j'attaque direct avec ça au lieu d'attendre à chaque fois. De lui tirer dessus à la mitraillette et tout ça, faire le con. Alors moi je l'ai tarpé bien dans mon chien. Voilà. Bonne chose de faite. On fait encore du cauchemar? Pas du tout. Vous vous rappelez au début, je me rappelle, je disais à quoi il sert ce câble? En fait il sert à ça. Je t'ai entendu arriver. Je dois dire que je suis content d'avoir l'occasion de te revoir. Et puis, t'as beau être un modèle de soldat patriote, t'es le seul autre guitariste que je connaisse. Il faut que je bouge. Je dois trouver Wyatt et Caroline. Tu devrais venir aussi. C'est pas si simple, tu sais. J'ai pas vraiment d'issue, moi. Je te remercie pour ton offre, mais tu sais, j'ai été en cavale toute ma vie. J'en ai marre du silence. Parce que quand je serai mort, je serai silencieux jusqu'à la fin des temps. Mais pour l'instant, ici et maintenant, je veux que ça fasse du bruit. Oh, énorme. Capitaine, je crois que l'un des tunnels d'égout mène au hangar. Ouais, c'est bien ça. Vous devriez essayer. Putain. C'est pas si facile, Moré. Je pensais pas que... Oh putain.
On va charger à bloc ? Pas encore. C'est pas mal déjà. J'imagine sans Uber, mais laisse tomber gros, c'est infaisable. La petite salle comme ça là. Quoique. C'est faisable en fait, tu dégunnes, tu fais bouger les mobs. Et que tu traces en fait, je pense que c'est faisable. A voir quoi. Dire que je voulais faire le jeu en Uber moi, mais je suis un malade mental. Il y a des streamers hein, qui l'ont fait, hein, Lyric. Oh putain. Ravi de te retrouver, Blazkowicz. Je veillerai à ce que personne ne prenne notre hélico. Tu pourrais peut-être régler notre problème de nazi de ton côté. Essaie de garder Wyatt en vie. Il est à court de munitions et sans défense. Pauvre petit. Oh putain! Mec, tu veux que je fasse quoi avec ce bordel, moi? Une amélioration là, non? Non, c'est pas une amélioration. Mec, tu veux que je fasse quoi là? Ah, c'est un truc de malade! Il ruine tous les accès, ce fils de chien là. Allez, montez vite, on a du boulot. Et tu peux pas me la passer ton armure? C'est pas encore terminé. Ich wünschte, du kommst.
C'est de la torture de rêver de ça, et puis de se réveiller. Mais parfois, il faut se souvenir de ce qu'on essaie de défendre vraiment. On y est. D'après les infos qu'on a sur la base du boucher, les prisonniers sont retenus au sous-sol, tout près des labos d'expérimentation. C'est une question de timing avant tout. On a les clés de décryptage maintenant. On approche sous l'eau et on fait surface seulement près de la base. Vous détruisez le mur d'enceinte avec le canon et vous entrez dans la base le plus rapidement possible. Ils riposteront sans doute, ce qui veut dire qu'on devra replonger avant de subir des dégâts trop importants. Puis on conduira le sous-marin à bonne distance. Quand tu seras rentré, descends au niveau inférieur. Libère les prisonniers. On t'enverra l'hélicoptère. Une fois tout le monde en sécurité dans les airs, on amorce les ogives nucléaires et on lance les bombes atomiques. Tout le site sera rasé. On raye le boucher de la surface de la Terre. Sois très prudent. À tout à l'heure, mon capitaine. Maxence! Bon, écoutez les gars, moi je pense que c'est le bon moment pour se dire adieu, au revoir pour ce 10e épisode de Wolfenstein The New Order. J'espère que vous aurez aimé ce 10e épisode. C'est vrai que là il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, pas mal de morts dans nos troupes, des disparitions et tout ça. Et c'est vrai que le petit rêve qu'il vient de faire et tout, c'est vrai que ça ressemble à de la torture quoi, de rêver des trucs comme ça. Mais franchement je kiffe bien. Donc écoutez, moi je pense qu'on va se retrouver pour le dernier épisode, ce qui me semble être le dernier épisode. Donc ça sera Wolfenstein épisode 17, n'importe quoi, épisode 11. Je pense que ça sera l'ending. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé celui-ci. Je vous dis à très très bientôt, c'était Parano. Peace.